Clémentine tombe dans le traquenard de celui qui l'observe et la manipule depuis des semaines. Il la retient contre son gré, et lorsqu'Aurore perquisitionne son domicile, elle découvre des traces de stupéfiants qui laissent supposer que Clémentine aurait été droguée avant d'être emmenée. Chloé en parle avec Alex, qui se souvient d'un détail troublant susceptible de faire avancer l'enquête. Clémentine comprend que son bourreau a brouillé les pistes, faisant croire qu'elle a quitté cette. Elle n'a d'autre solution que d'essayer de s'en sortir seule. Anna au fond du sac chez les Delcourt, Maxime angoisse à l'approche des épreuves de rattrapage du bac. Chloé et Alex s'activent pour lui donner un petit frère ou une petite sœur. Anna déprime face à cette perspective qui la renvoie à son besoin inassouvi de maternité. Elle se rapproche de Victoire et Georges pour intégrer la coloc. Tandis que Sophia se réjouit à l'idée de présenter Arthur à ses parents, Manon mûrit sa revanche en briefant le jeune homme sur ce qu'on attend de lui au cours de ce déjeuner qui va s'avérer épique. Soraya se fait agresser et refuse, malgré les conseils de Leïla, de ne parler à Rémi par crainte de sa réaction. Nah.